Et salut les boiseux et les boiseuses. Alors comme vous avez pu le voir dans les images qui ont précédé, j'ai fait la finition, j'ai fini la partie avant de la presse, j'ai fait une petite gravure pour personnaliser la chose avec la CNC, j'ai collé le cuir là, ici, puisque j'avais pas assez de matériaux de protection. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets l'URL dans la description de la fabrication de cette presse Moxon. Et comme vous pouvez le constater, au-delà d'une certaine épaisseur de pièce, on a des problèmes pour fixer la pièce. Alors, je pourrais mettre deux presses, mais je serais embêté hein, avec mon rabot. Je ne pourrais pas passer comme je veux parce que les presses me gêneraient d'un bord ou de l'autre, etc. Et puis, en plus de ça, ce ne serait pas pratique parce qu'à chaque fois, il faut mettre les presses, etc. Donc, ce n'est pas terrible. Il doit y avoir mieux. Et on va voir ce que c'est mieux. Alors mieux, c'est ça. Alors ça s'appelle des butées d'établi, ça s'appelle aussi des mentonnets, et ça s'appelle également en anglais des bench dogs ou des, bougez pas, des bench pups. Je trouve ce que ça veut dire bench pups, c'est marqué dans la doc. Moi j'aurais dit bench dog, mais c'est pas très grave. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on va pouvoir percer des trous dans le mort mobile qui est là, des trous à différents endroits, on va pouvoir insérer ces trucs là dedans, et ça va nous permettre, avec la presse, de venir serrer des pièces entre deux rangées de mentonnets comme ça. Voilà pourquoi c'est intéressant. Maintenant, la partie qui va nous intéresser, c'est comment on perce les trous et à quelle distance on les perce les uns des autres. L'avantage de ça, c'est qu'on n'est plus limité par l'écartement maximal du mort mobile par rapport au mort fixe. On est limité par la taille donc, de la presse Moxon ou de l'établi. Ce qui signifie par exemple que si j'avais envie de travailler sur une pièce comme celle-ci, qui fait 12 cm de large, et ben j'aurais pas besoin d'avoir des morts qui ont un débattement de 12 cm. Il me suffit d'avoir les bench dogs qui sont placés où il faut, c'est-à-dire un à peu près ici, hein, dans le mort mobile, et puis un à peu près ici. Il y a deux questions qui vont nous intéresser maintenant, c'est à combien je mets mes rangées de trous, hein, les unes des autres, dans le sens de la profondeur comme ça, et où est-ce que je les positionne dans le sens de la largeur. Alors dans le sens de la largeur, où est-ce que je les positionne, c'est quelque chose finalement d'assez simple, puisque dessous j'ai des renforts hein, qui passent, donc j'ai des pièces de bois qui passent à deux endroits, donc évidemment on va éviter de tomber dedans. On a deux façons hein, de fixer ce genre d'accessoire. Soit on va faire des trous débouchants, auquel cas il n'y a pas grand chose à se dire de plus. Voilà, on fait un trou et puis tout va bien. Soit on fait des trous dits aveugles, hein, c'est-à-dire qui n'ont pas de fond. Et dans ce cas-là, si on fait des trous aveugles, il ne faut pas les faire trop profonds, parce que si on le rentre trop, après on est embêté pour le sortir. C'est quand même dommage. Hein, sachant qu'il y a un truc là pour empêcher qu'il descende, et que ce truc, bah, il va nous embêter selon les trous qu'on va faire. Hein, il va nous empêcher d'aller l'attraper et de le remonter. Il va aussi l'empêcher de tomber. Mais on peut toujours appuyer dessus par mégarde. Si le trou est trop profond, après on ne peut plus le récupérer, c'est ennuyeux. On a l'air couillon. Sur la documentation, puisqu'il y a une petite documentation avec, il est indiqué que les trous doivent faire au maximum 2 pouces. Alors 2 pouces, c'est pas très compliqué, hein, ça fait 5,08 cm. Donc on va dire à peu près 5 cm. Moi, mon plateau, il fait un peu moins de 5 cm, il fait 48. Quelque chose comme ça. Donc de toute façon, je vais dépasser, donc je vais faire des trous débouchants. Si vous avez un plateau plus épais, ne dépassez pas cette dimension-là. Ça permet au mentonnet de dépasser d'un quart de pouce. Un quart de pouce, c'est 6,35 mm, donc un peu plus de 6 mm. Et donc de l'attraper pour pouvoir le sortir au cas où. À combien les unes des autres est-ce que je vais mettre mes rangées de trous? Bah, c'est pas très compliqué. Le débattement maximum de ma presse, actuellement, il est d'un peu plus de 6 cm, disons 65 mm, donc on va mettre des rangées de trous tous les 6 cm, ce sera raisonnable, et on n'aura pas d'impossibilité. Toute pièce d'une largeur minime, enfin, qui est moins large que mon plateau, eh ben, je peux la fixer.
Donc ça me permet de fixer des pièces quand même jusqu'à 44 cm de large. Pour une presse Moxon, c'est largement suffisant. Sur un établi, ça se discute. Sur un établi, on a généralement plus de débattement sur la presse. Donc on peut se permettre de faire moins de trous. Là, je vais en faire plus, c'est pas très grave. Dans l'autre sens, je pense que je vais percer 4 rangées de trous, ça me paraît déjà pas mal. Et ça me permettra de fixer les pièces un petit peu partout. 4 rangées de trous, ça fait que je serai embêté pour les pièces de moins de 15 cm de longueur. Je considère, à mon niveau, que c'est largement suffisant. Alors, s'agissant de dimensions américaines, ce sont des mentonnets qui sont faits pour des trous de diamètre 3 quarts de pouce. Donc j'ai simplement acheté une mèche de 3 quarts de pouce parce que j'avais pas envie de me prendre la tête. Du coup, ça me facilitait la vie. Il va falloir percer ces trous droits. Pour percer ces trous droits, soit on a un guide de perçage tel que celui-ci, et puis voilà, pas grand-chose de plus à dire, on l'utilise et basta. Soit on n'en a pas, et dans ce cas-là, on peut prendre par exemple deux morceaux de bois comme ça. Alors là, il faudrait que je recoupe dans ce sens-là. Les fixer à 45 bien perpendiculaires. Les fixer à 90 degrés, pardon, bien perpendiculaires. Et puis quand on vient percer, eh ben on se sert de ça comme guide. Autre solution, si vous avez une perceuse à colonne, vous prenez un bloc de bois bien épais, vous percez un pré-trou avec ça, et ensuite vous vous servez du bloc de bois avec le trou en le mettant bien à plat sur la table pour faire votre trou bien vertical. Moi je vais utiliser ça, en ce qui me concerne, c'est le plus pratique. Dans un premier temps, je vais tracer mes emplacements de trous et puis je vous retrouve après. Donc j'ai tracé tous les trous. J'ai soigneusement évité l'emplacement des glissières, hein, de chaque côté, que j'avais noté ici, histoire de ne pas me vautrer. J'ai fait 5 rangées de trous, ce qui est vraiment bien, je pense. Je veux dire, il y en a, ça fait déjà beaucoup. Peut-être qu'avec 4, j'aurais pu m'en sortir aussi. Je vais laisser comme ça. Et donc, je vais venir pointer avec un pointeur automatique tous les trous, ce qui me permettra d'être un petit peu plus serein au moment où je vais percer, parce que par rapport à la taille de mon foret, enfin de ma mèche, pardon, mon support de perçage est un peu limitant en débattement. Donc là, je vais attaquer mes perçages. Alors attention, sur les deux rangées qui sont ici, donc les deux dernières, je suis successivement au-dessus du mort fixe et du mort mobile, donc je ne peux pas traverser. Donc il faudra que je descende pas à plus de 5 cm. Donc je prendrai sur mon support de perçage, j'utiliserai la butée de profondeur pour pouvoir récupérer mes mentonnets, parce que c'est quand même vachement pratique de pouvoir les récupérer. Voilà. Donc je vais prendre une vitesse de perçage raisonnable, pas trop et pas trop peu. Et puis je vais gentiment attaquer. Voilà, on est en essayant de percer bien droit. On va vérifier ce que ça donne. Voilà, donc le mentonnet y rentre. Je peux le repousser par en dessous. Et je peux le sortir ou le rentrer comme je veux. Voilà. Je serai peut-être un peu plus embêté si jamais je suis par ici. Il faudra que je sois un petit peu raisonnable. Donc je vais faire tous mes trous. Ben, je fais tous les autres et je vous retrouve après. Je vous retrouverai pour ceux qui ne sont pas traversants. Voilà, donc il me reste à faire les trous non débouchants. Je vais être prudent parce que j'ai pas une grande confiance dans cette butée. Donc je descends de 50 mm, hein, pour laisser le petit quart de pouce qui va bien, c'est-à-dire à peu près 6 mm pour rattraper la butée quand on en a besoin. Je vais vérifier quand même. Là, je suis au fond et donc ça dépasse assez pour que je puisse la ressortir si j'ai besoin.
Et maintenant, on va voir si la planche que je voulais serrer au début, bah, je peux la serrer ou pas. Donc on va dire qu'on va mettre une butée ici. Une butée là. Pareil en face. Je crois qu'on peut dire que ça fonctionne. Alors, autre avantage de ce type de butée, c'est que ça permet de serrer des pièces qui ne seraient pas de section carrée. Voilà, on a malgré tout un bon maintien de la pièce. Alors bon, celle-ci est pas suffisamment épaisse hein, pour que je puisse faire exactement ce que je veux dessus. Enfin, ça peut être très pratique pour ce genre de choses. Et j'ai aussi pris celles qui ont donc le profil un peu plus bas. Hein. Et de la même façon, voilà, éventuellement pour des pièces fragiles, j'ai une plus grande surface en fait d'appui, donc c'est mieux réparti au niveau du serrage. Voilà. Et s'il me venait à l'idée de travailler donc avec la pièce qu'on a vue en début de vidéo, voilà, je peux la maintenir. Et ça reste assez pratique. Donc je suis assez content de ça. C'est des petits accessoires qui sont pas forcément très chers, mais qui rendent vraiment service. Que ce soit donc sur un établi type MFT, sur un établi traditionnel, sur une presse Moxon. Alors vous avez de tout, hein. Vous en avez des carrés, vous en avez des ronds, vous avez des... Enfin voilà, il y a plein de sortes qui existent. Là j'ai pris ceux qui étaient adaptés pour mon usage. Ça me permet d'apporter une belle amélioration à ma presse. Voilà, pas plus à dire là-dessus. J'espère que ces deux vidéos sur la presse Moxon vous auront plu. En lien dans la description, je vous mets la vidéo sur la fabrication de la pièce de la presse Moxon. Et je vous mets également les liens vers le site de Dieter Schmidt Fine Tools, qui sont non sponsorisés, vers lesquels vous pourrez éventuellement acheter donc soit les bench dogs en laiton, soit les bench dogs mentonnés, vous dites comme vous voulez, ou butées d'établi, soit ceux en plastique, ou les deux, c'est comme vous avez envie. Voilà. Ceux en plastique sont un peu plus rassurants si jamais vous avez peur éventuellement d'abîmer votre rabot ou vos outils. Voilà, donc ça c'est assez sympa aussi. Par contre, ceux en laiton ne les remplace, enfin, ils ne remplacent pas ceux en laiton, puisque ceux-là peuvent sortir un peu plus. Ceux-là, forcément, vous êtes obligé de les mettre au ras comme ça. Puis ils sont sans doute un peu moins costauds. Hein. Parce que pour plier une tige de laiton comme ça, vous êtes... Voilà, vous avez pour un petit moment. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette histoire-là. Donc maintenant, si vous voulez bien avoir l'obligeance de vous barrer de ma presse Moxon, et je vous dis à la semaine prochaine.